Faire jouer la lumière pour produire une image sans avoir besoin de dessiner ni de peindre. Bien avant l'invention de la photographie, on a eu l'idée de projeter des ombres pour tenter de saisir une image du réel. Au XVIIIe siècle, on a su la fixer grâce à des appareils comme cette étrange chaise dite « machine à tirer des portraits ». L'ombre du modèle est projetée sur une feuille. Il suffit d'en dessiner le contour, de le découper, puis de le monter sur un fond de couleur. Nobles et bourgeois se faisaient ainsi tracer leur silhouette, comme on le disait à l'époque, un moyen rapide d'avoir son portrait à bon compte. Un pas de plus est franchi quand on comprend que la lumière elle-même peut dessiner ou tout au moins laisser une empreinte. Dès le Moyen Âge, on a eu l'idée d'estampiller des fruits grâce au seul effet des rayons du soleil. Il suffisait alors d'appliquer un cache sur le fruit qui, en mûrissant, se pigmentait tout autour de la zone protégée par le masque. Cette propriété à se transformer naturellement sous l'action de la lumière, c'est ce qu'on appelle la photosensibilité. Certains corps chimiques, comme les sels d'argent, réagissent eux aussi à la lumière. Ils noircissent. Mais à la différence des pigments d'un fruit, on peut les isoler, les diluer et les étaler sur une feuille de papier que l'on rend du même coup artificiellement photosensible. Le premier à avoir eu l'idée de produire une image en exploitant le noircissement des sels d'argent est l'anglais Wedgwood, qui en 1802 réalise ce qu'il appelle des photogrammes. Il pose des ailes de papillon sur du papier sensibilisé qu'il expose quelques minutes au soleil. Les sels noircissent la feuille, l'empreinte négative du papillon est dessinée. Cette image obtenue par contact est une image aussi éphémère que les papillons eux-mêmes, car Wedgwood ne sait comment arrêter le processus pour fixer son image, la feuille tout entière continue à noircir. Il ne reste aujourd'hui aucune trace de ses tout premiers photogrammes. Quelques années plus tard, l'anglais Fox Talbot réalise lui aussi des empreintes selon le même procédé. Branche de fenouil, fin des années 1830. Mais à la différence de Wedgwood, Talbot trouve le moyen de fixer le négatif obtenu. Il utilise pour cela du simple sel de cuisine et permet à ses dessins photogéniques, comme il les appelle, de traverser les siècles. Tous ces procédés par contact appartiennent à la préhistoire de la photographie. Ils ne peuvent saisir qu'un contour, un profil, une ombre. Un nouveau chapitre de l'histoire de la photographie s'ouvre lorsque l'on parvient enfin à reproduire le réel de face, avec ses creux, ses reliefs, ses nuances de lumière, de texture et de matière. Il ne s'agit dès lors plus d'une empreinte obtenue par contact, ni d'une ombre redessinée, mais d'une image saisie à distance par un instrument optique, connu depuis l'Antiquité, la chambre noire. Un sujet est placé à l'extérieur d'une pièce plongée dans l'obscurité, dont une des parois est percée d'un petit trou. Son image apparaît sur le mur opposé, mais inversée, la tête en bas. Ce dispositif optique est utilisé à la Renaissance par les peintres qui pouvaient ainsi reproduire à la main des relevés fidèles de paysages ou d'architecture. En 1827, un Français, génial inventeur mais piètre dessinateur, Nicéphore Niépce, a l'idée de se servir d'une chambre noire portative pour tenter de fixer sur une plaque de métal, par la seule action de la lumière, la vue qu'il a de la fenêtre de sa chambre. Je suis à l'aube d'un monde nouveau, écrit-il alors. Rien ne montre mieux le pas franchi que cette première image, aujourd'hui brouillée, mais qui, pour la toute première fois, est peinte, comme le dit Niépce, spontanément par la nature. «
Seul un tirage moderne permet de voir vraiment ce que l'image montre. Des toits, des pans de murs, un bosquet, temps de pause entre 24 et 72 heures. D'où cette curiosité, il y a une contradiction dans les directions de la lumière entre la gauche et la droite de l'image. La position du soleil éclairant la partie gauche exigerait qu'à droite de l'image, les ombres soient inversées. Et vice-versa. Mais le temps d'exposition de la plaque fut tellement long que les lumières viennent de toutes parts, comme projetées par plusieurs soleils à la fois. Cette première représentation du réel est donc totalement irréelle. Pour obtenir cette image, considérée comme la toute première photographie, l'idée de génie de Niepce fut l'utilisation d'un composé organique fossile, une sorte de goudron qu'on appelle communément « excrément du diable ». Dissous dans de l'essence de lavande, ce bitume a la particularité de durcir au soleil. Niepce enduit sa plaque de cet épais vernis. Les parties qui vont recevoir de la lumière dans la chambre noire vont solidifier le bitume. Celles non exposées, donc non durcies, seront lavées. L'image peut désormais se fixer. De Niepce, on ne connaît qu'une autre image, et encore sous forme de reproduction, car l'original a disparu. Cette table servie a été réalisée dehors, en plein soleil, avec un autre procédé qui permet de ramener le temps de pause à quelques heures, mais qui produit des images si fragiles qu'aucune ne nous est parvenue. Niepce meurt brutalement en 1833, sans que ses travaux pour la formation d'une image photographique soient officiellement reconnus. À peine quelques années plus tard, une autre image a elle seule une nouvelle révolution. C'est une nature morte dont tous les objets ont été soigneusement choisis pour mettre en valeur une lumière et un rendu des matières jamais atteints auparavant. Ce cabinet de curiosité est une des premières images réalisées par Daguerre, qui, peu de temps après la mort de Niepce, dont il était l'associé, découvre par hasard, dit-il, un nouveau procédé bien plus performant, qu'il a modestement appelé daguerréotype. Les images obtenues ont une précision et une netteté inconnues jusqu'alors. Pour bien profiter de cette vue du Pont Neuf, prise par Daguerre en 1839, on recommande à l'amateur de se munir d'une loupe. On dit à l'époque que l'appareil parvient à saisir des détails qui, dans la réalité, échappent à l'œil humain. Pour réaliser un daguerréotype, l'opérateur a besoin d'un véritable laboratoire. Il lui faut du nitrate, du mercure, du sel, de l'iode, du chlorure, le matériel nécessaire à la prise de vue et un doigté de chimiste. Les images sont saisies sur des plaques de cuivre recouvertes d'une couche d'argent, puis sensibilisées aux vapeurs d'iode. Une fois exposées dans la chambre noire, la plaque est développée aux vapeurs de mercure. L'image obtenue est positive si on la regarde de face. Mais pour peu que l'on change son orientation, l'image devient négative. Le temps d'exposition, qui chez Niepce était d'une journée en plein soleil, n'est plus que de quelques heures. Daguerre réalise, depuis la chambre de son appartement parisien, ses deux vues du boulevard du Temple. La première le matin, la deuxième à midi, une heure où le boulevard connaît une circulation intense. Mais sur la plaque, il est désert. Le temps de pause étant encore bien trop long pour pouvoir saisir le mouvement. Seul a survécu sur l'image un passant qui s'est arrêté le temps de faire cirer ses chaussures. Mais peut-être est-ce un figurant placé par Daguerre lui-même.
La précision du daguerréotype n'est pas juste une prouesse technique. En produisant pour la première fois une image parfaitement nette, la photographie va franchir un nouveau pas. Se poser non plus comme une reproduction mécanique du réel, mais comme une véritable composition artistique. Ici, ce n'est plus la fenêtre de daguerre qui fait le cadre, mais le regard de l'opérateur. Même si la rigueur impressionnante de cette image appartient sans doute tout autant aux étagères qu'à Daguerre lui-même. En août 1839, le daguerréotype devient un phénomène de société. Sa découverte est annoncée à la Chambre des députés. Le procédé est acheté par l'État, cas unique dans l'histoire, contre une pension à vie à Daguerre et offert par la France à l'humanité tout entière. Les caricaturistes s'en donnent à cœur joie. Tandis que la foule se précipite chez les opticiens pour se procurer l'équipement du parfait daguerréotypiste, les graveurs et les dessinateurs finissent, eux, à la potence. Certains, comme Baudelaire, protestent. La société immonde se rua comme un seul narcisse pour contempler sa triviale image sur le métal. Ce que Baudelaire condamne, c'est ce qui fera le triomphe du daguerréotype, le portrait. Mais pour avoir sa propre image, ou comme on le dit à l'époque, sa ressemblance, il y a un prix à payer. Le supplice de rester immobile pendant plusieurs heures en plein soleil. Sur ce portrait, l'un des plus anciens qui nous soit parvenu, on peut analyser la séance de torture. Les pieds du modèle sont écartés pour assurer sa stabilité. La canne lui donne un premier point d'appui, tandis qu'un second est assuré par le dossier de la chaise. La main droite permet d'immobiliser la tête le plus longtemps possible. Les yeux sont fermés en raison de l'interminable temps de pause. Mais pour donner l'impression que l'image a été prise sur le vif, on a posé à terre le chapeau du modèle, comme s'il venait tout juste de tomber de sa tête. De même, les plis de la tenture du fond sont censés évoquer une brise passagère. À peine quelques mois plus tard, grâce au raccourcissement du temps d'exposition, on est alors à moins d'une heure, le modèle peut garder les yeux à moitié ouverts et posés de trois quarts. Mais il lui faut malgré tout une deuxième chaise pour soulager, le temps de la pose, son bras et la main qui tient son haut de forme. Les enfants sont des sujets encore rares dans la production de l'époque. Ils représentent un défi technique en termes de temps de pose. La réussite de l'image dépend de la faculté à faire tenir le modèle en place. C'est encore grâce à une chaise qu'une partie du corps de cette petite fille est nette. Le reste de sa silhouette est fantomatique. À cause de la faible sensibilité du daguerréotype, tous ces portraits doivent être pris dehors, en plein soleil. Il faut donc parfois s'arranger avec la réalité. Ici, l'extérieur a été déguisé en intérieur bourgeois grâce à un habile arrangement d'accessoires. Seule la présence du volet à droite de l'image trahit la supercherie. Le sujet idéal du portrait daguerrien, c'est dans son absolue immobilité, le défunt sur son lit de mort. Très populaire à l'époque, ces images traduisent le mieux la nouveauté du procédé et aussi ses limites. Une nouvelle mémoire apparaît, la mémoire photographique qui vient doubler la mémoire fragile des vivants. Mais c'est une mémoire froide, objective, qui par sa volonté de cerner son sujet de tous côtés, comme dans ce triptyque vu sous différents angles, évoque déjà le cliché d'identité judiciaire. À l'extrême réalisme de ces images répondent les toutes premières mises en scène. Un boulet, des chaînes, un prisonnier dans sa geôle. Louis Daudier n'est en fait qu'un domestique qui prend la pose pour son maître, le photographe amateur Humbert de Mollard. Narcisse, variation d'un thème traditionnel en peinture, le reflet d'un corps nu. Ici, le motif semble avoir été inventé pour le daguerréotype.
le miroir de l'eau renvoyant au reflet de la plaque elle-même, multipliant les courbes gracieuses du modèle. La question du temps d'exposition reste la principale préoccupation des opérateurs. Et les progrès sont spectaculaires. Dès 1841, de nouvelles substances accélératrices permettent de descendre à moins de 10 secondes. En 1842, Choisla et Ratel, deux des daguerréotypistes les plus inventifs, prennent cette vue de la place de la Concorde en moins de 2 secondes. Ce qui est suffisant pour le pas lent des promeneurs et des badauds du premier plan, mais pas assez pour le flux humain qui traverse le pont. Une revue militaire menée à grands pas, semble-t-il. Mais jusqu'à présent, les grandes vues restent rares. Le plus grand format existant alors est de 16,5 cm sur 21. Les paysages s'y sentent à l'étroit. Pour contourner cette difficulté, Choisla et Ratel ont l'idée de photographier la rade de Toulon avec 5 plaques différentes, toutes soigneusement cadrées, puis de les rassembler en les ajustant parfaitement, créant grâce à ce bricolage l'ancêtre du format panoramique. La réactivité des fabricants et la course à l'inventivité sont telles que quelques mois plus tard, Martens, un graveur passionné de photographie, construit une véritable chambre panoramique. Dotée d'un objectif rotatif couvrant un angle de 150 degrés, elle lui permet de réaliser des vues d'un seul tenant, comme ce panorama des quais de la Seine réalisé en 1842, sur une plaque courbée puis remise à plat. Rien ne semble alors arrêter le développement de la photographie sur plaque, qui paraît promise à un grand avenir. Mais le métal est un support fragile. Le moindre contact avec la surface produit une rayure ou une oxydation irrémédiable. Beaucoup plus résistant, paradoxalement, le papier. Du papier à lettres ordinaire, enduit d'une substance sensible, comme celui de ce carnet de laboratoire dans lequel, en 1839, le français Hippolyte Bayard a rassemblé ses essais. Des tests de photosensibilité où n'apparaissent d'abord que des teintes diversement colorées, puis au fil des pages, des formes fantomatiques. Dans le procédé inventé par ce modeste fonctionnaire autodidacte, le papier est sensibilisé juste avant la prise de vue. Placé dans une chambre noire, puis exposé, le papier est ensuite retiré et le photographe voit alors apparaître directement l'image positive. Bayard a conscience que son procédé est révolutionnaire. Il a réalisé pas moins de 30 déclinaisons de cette statuette, Les enfants qui s'aiment, photographiées toujours sous le même angle. Pour montrer que, contrairement au daguerréotype, son procédé de positif direct n'est pas un simple moyen de reproduction mécanique du réel, mais un moyen d'expression, dont le résultat final dépend, comme pour le dessin ou la peinture, des choix d'un artiste. Mais l'intervention de l'artiste doit toutefois se faire plus lourde que Bayard ne l'aurait souhaité. Son procédé n'a pas la netteté ni la précision du daguerréotype. Bayard doit parfois retoucher, à la mine, quelques détails de ses vues des toits de Paris. Parallèlement à ses positifs directs, Bayard, comme d'autres, joue avec des images obtenues par contact d'un objet posé directement sur du papier sensibilisé, produisant ainsi une image négative.
mais c'est l'anglais Fox Talbot qui, le premier, a l'idée d'introduire ce papier négatif dans une chambre noire, de l'exposer, puis de le poser sur une autre feuille sensibilisée, de l'exposer à nouveau et d'obtenir ainsi un positif par contact. Une fois perfectionnée, cette invention est présentée par Talbot sous le nom de calotype, la belle image. On peut désormais, à partir d'un négatif unique, tirer plusieurs positifs. L'image photographique est devenue reproductible, comme l'imprimé ou la gravure, mais aussi modifiable à volonté. C'est sur ce principe de dissociation négatif-positif que la photographie va se fonder pour les 150 ans à venir. Les portraits que Talbot réalise avec son nouveau procédé n'arrivent pas à rivaliser avec la précision du daguerréotype. Ses détracteurs parlent de traces blanchâtres, de vieilles estampes sur lesquelles on a passé le coude. Mais ces défauts sont une chance. Libérée du portrait, la photographie, avec Talbot, se met à regarder le monde. Il réalise alors une série d'arbres, comme ce chêne en hiver, ou ce vieux cèdre rouge, ou encore ces arbres en reflet au bord de l'étang. Image dans laquelle le reflet fait ici pour Talbot jeu égal avec le réel. Talbot ne se contente plus de photographier les paysages vus de sa fenêtre, comme Daguerre ou Niepce. La fenêtre elle-même devient le sujet, tant par ce qu'elle montre, ce qu'elle cache, ou ce qu'elle laisse deviner. Le jeu du cadre dans le cadre, la superposition des plans et des trames, l'opposition entre la netteté des rideaux et le flou du bateau crée une image étonnante, d'une complexité que seul le procédé photographique permet d'obtenir. En France, Bayard est un des premiers à adopter le calotype de Talbot et à comprendre le parti qu'il peut en tirer. En 1842, il photographie ses outils de jardin qu'on dirait abandonnés. Un chiffon qui traîne sur une chaise vide, un chapeau de paille. Un chapeau dont le cercle parfait incarne à la fois le photographe jardinier et l'ordre au milieu du désordre. Bayard aime se servir de ce chapeau de paille comme d'un point focal, un élément structurant, une signature. On le retrouve en bonne place dans le moulin de Paul. Et il joue un rôle essentiel dans la photographie la plus célèbre de Bayard, le noyer. Bayard s'y représente en noyer, suicidé de désespoir parce que le procédé de Daguerre est reconnu comme meilleur que le sien. On est alors au début des années 40, l'ère du daguerréotype triomphant. Cette ère ne durera pas. Dès 1850, les procédés dérivés du calotype vont s'imposer en France et le reléguer dans les marges. Il survivra là où sa précision reste l'élément décisif, dans les très populaires images érotiques, où seul compte le visible, ou, à l'opposé, dans la totale abstraction de l'imagerie scientifique. Avec ce spectre solaire, réalisé en 1844, la photographie franchit un nouveau pas, plus inattendu. Si elle a su transformer notre regard, elle permet aussi de représenter une réalité invisible à l'œil nu, que seule une invention qui a bouleversé notre rapport au réel a pu révéler.